Hey, yalala à tous mes amis, c'est Valentin et j'espère que vous allez tous très bien. Moi, comme d'habitude, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 15e épisode du spécial Captain Todd Treasure Tracker. Dans le précédent épisode, nous avons refait le niveau 21 pour obtenir la deuxième gemme que nous avons enfin obtenue. Nous avons fait les niveaux 22, 23 et 24. Et aujourd'hui, mes amis, dans cet épisode, nous allons faire les niveaux 25, 26 et 27. Et dans le prochain épisode, on fera un live parce que à mon avis ça sera la fin de ce livre et du coup j'ai décidé de le faire en live pour vous parce que vu que c'était en général quand je finis le jeu je fais toujours en live, voilà. Et du coup on s'attaque à un bon sens de la rotation, le niveau 25 de ce troisième livre. Et du coup on retourne avec Capitaine Todd. Let's go. Oh là attends, il bouge. Alors du coup il faut détruire le truc là. Donc, ce qu'on va faire d'abord, qu'on va aller d'abord ici. Faut pas qu'on bouge parce que l'écart est très petit. Alors, du coup, on bouge. Ça nous fait aller comme ça. Ça, c'est déjà ça. On va s'arrêter pile au milieu. Hop, on y va. Voilà, là, c'est bon. Alors, pour la question du jour, mes amis, c'est tout simplement, est-ce que vous avez essayez la démo de Captain Todd Treasure Tracker sur Switch avant sa sortie de jeu. Et évidemment, j'ai perdu au moment que je dis ça. Donc, est-ce que vous avez testé la démo de Captain Todd Treasure Tracker avant sa sortie, évidemment. Hop, on va attendre gentiment. Bon, au pire, mes amis, ça va. C'est que 3 niveaux pour 20 minutes d'épisode. Donc, c'est plutôt correct, on va dire. Hop. Alors du coup on va où? Attendez, je regarde où il faut aller. On est, il doit y avoir. Ah, il y a une gemme là-haut. Oh! J'avais pas vu tout ça. Voilà, là c'est bon, on est bien. On a eu la première gemme. On va juste attendre. Hop. Voilà. Là, ensuite, il faut, à mon avis, un navet, je pense. Donc, on va aller en récupérer un, je pense. Ah, on a eu le marteau. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de ce côté. Et on va aller. Ok, c'est bon. Ça, c'est bon. Je pense que nous allons. Hop. C'est bon. Nous avons fini le niveau. Enfin, je sais pas ce qu'il fallait vraiment faire dans la mission. Alors, si l'épisode est plus court, si admettons je finis l'épisode un peu plus court, ben. À terminer sans subir de dégâts. Ok. Mais du coup, nous avons réussi ce niveau. Mais c'est plutôt cool. Et du coup, on va s'attaquer tout de suite au 26e niveau. Marathon sur la route magma. Ça semble le petit niveau. Oula. Ok, ouais, ça, il faut attendre. Au pire. Ça semble épique, ce petit niveau. Mes amis, let's go. Pour ce petit niveau un peu fou. Loufouque. On va aller par là directement. Hop, allons par là. J'espère qu'on peut s'arrêter. Ouais, c'est bon. On peut s'arrêter, c'est plutôt bien. On va. Là, pour l'instant, on va faire le chemin comme on peut. Et là, on va essayer de reprendre le boost pour repartir après faire de l'autre côté. Oh non! Mince! Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une petite plateforme. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait un sorte de truc à vitesse. Allez, on y va. On repart, les amis. C'est reparti, mon kiki. Bon, on peut récolter les pièces, mais on n'est pas obligé de. Hop.
va faire très attention, mes amis. On va vraiment faire attention. J'ai pas envie de perdre une nouvelle fois à cet endroit. Et puis on va s'arrêter vite fait. Et voilà. Du coup, ok. Donc du coup, j'ai vu où il faut aller. Encore faire demi-tour. Et on va passer par là. Voilà. Et on passe par là pour récolter la suite des pièces. Voilà. Waouh, c'est tendu, cette petite course. Du coup, on va aller là, mes amis. Oula. On va évidemment prendre la petite vie pour dire. Non. Non. On a été en retard. Ah, je suis day. Putain, c'est la deuxième fois qu'on fait une erreur ici. Bon, allez, sérieusement, on se concentre, mes amis. J'ai envie qu'on y arrive. J'ai envie qu'on y arrive, j'ai plus envie qu'on fasse de fail. Parce que c'est quand même un peu nul ce que je fais là. Ah l'idiot. Bon, ça, heureusement qu'il n'y a pas de plateforme qui descend, sinon on aurait été obligé de continuer le niveau comme ça. Ça aurait été un peu bête, hein, je trouve. Allez, on repart par là. Hop, bon, je suis désolé, hein. Je vais perdre un petit temps là en allant par là. C'est bon. On va repartir par là. Hop. Bon, ça va. C'est bien là. Mais c'est après qu'il faut rester concentré. Allez. Donc, on va prendre la vie. Hop, on va juste attendre un peu. Et là, on y va. C'est bon? Oui, mes amis, c'est bon. Allez. Là, on va se concentrer parce qu'on est bientôt à la fin. Et à mon avis, il va falloir qu'on reste vraiment concentré jusqu'au bout. Oh non, on a loupé des pièces, ça, c'est pas bon du tout. On va essayer de les reprendre si on peut. Oh là, je panique. On va faire un petit demi-tour. C'est pas grave, mes amis. C'est... Non, 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 non. Ah, je suis en train de... Ah non, on va attendre. Ah non, je suis vraiment deg. Ah, vous pouvez pas imaginer, mes amis. Attendre un peu, et là, on y va. Allez, putain, je suis deg, on aurait pu y arriver. On essaie de se mettre au niveau... Bon, le truc qui est bien, c'est qu'on a déjà les 3 gemmes. Donc là, on va essayer vraiment de récolter un max de pièces. On va par là. Là. Donc on fait attention à ce qu'on fait, mes amis. Ah, encore. Putain, j'en ai encore. J'ai loupé les 4 pièces du bas. Hop, allons chercher les autres pièces. Allez. On va récupérer la petite vie qui est là. Non, on va attendre, parce que sinon je sens que je vais perdre. Voilà, c'est bien. C'est bien. Ouais, là, on perd plus de temps, là. On essaye de prendre toutes ces pièces. C'est bon. Non. Paniquons pas. J'ai voulu faire un petit tour sur moi, on sait jamais. Parce que. Je sais pas, parce qu'en fait, je voulais continuer à tourner pour voir si j'avais encore des pièces à récupérer. Et. Oui, c'est bon. 150 pièces. Oh, j'ai cru qu'il fallait 160. Ou 165, ça aurait été un peu malheureux, 165. Et du coup, mes amis, on va s'attaquer à Naufrage sur Échafaudage. Donc, du coup, ça sera sûrement le dernier niveau de cet épisode. Bon, si je finis là, mes amis, si je finis dans pas longtemps, à mon avis, il sera très court l'épisode. Ok, il y a un saut de niveau. Alors, du coup, il faut qu'on speed. Je sais. Ok, il y a une gemme, je l'ai vue.
y va, on va chercher la première gemme qui se trouve ici. Hop, il y a des petites pièces en bas, on va aller les reprendre. Toujours utile d'en prendre. Hop, on va aller prendre les pièces qui sont là aussi. Oh là, attends. Il faut qu'on arrive à suivre le mouvement. Oh. Non. Oh. Oh, limite. Ah, dommage. C'est limite, hein. Je suis un peu deg, mes amis. Bon, allez, on recommence, mes amis. On va essayer de... Hop, faire attention. Non, allez, dépêche-toi, toi. Voilà. Donc là, on va essayer d'aller récupérer des petites pièces qui sont là-haut. Un petit tour sur nous-mêmes. Bon, la lave commence à monter de plus en plus. Hop. La lave commence à monter de plus en plus. On va essayer de pas de perdre trop de temps pour essayer de récolter un max de pièces. Je sais pas où il y a. Ah, dépêche-toi la lave. Ah non, à mon avis, ça c'est mort. On peut plus l'avoir. Ouais, voilà. On va essayer de monter à notre rythme là. Est-ce qu'on a le temps? Oui, c'est bon, on a le temps pile poil. C'est plutôt bien. Allez, vite, il faut qu'on monte là. Il faut qu'on monte. Ah là là, on va se retoucher par là. Ah non, c'est bon. Oh, ah, c'est bon. On s'en sort. Ah, j'ai pas vu. Ah, c'est bon, on peut. Et donc, le petit champignon qui fait toujours plaisir. Ah mince, j'ai pas été assez rapide, donc j'ai plus le temps pour aller jusqu'à... Ah non. En fait, il faut vraiment être rapide, parce que si tu n'es pas assez rapide, en fait, tu perds beaucoup de temps sur sur des trucs bêtes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des gros tas de pièces, je pense. Et au moins, là, on sera plus tranquille, je pense. Ça sera mieux même. On va prendre des tas de pièces au grand max, au pire. Comme ça, on gagne du temps. On prend des tas de pièces, au moins. Bon, quand je parle des tas de pièces, c'est des pièces sur... en pile. Hein. Allez, go. Putain, je vois rien du tout, presque. Allez, go. Je m'en fous. Pas au pire. Voilà, allez vite, on se dépêche, on essaye de pas perdre de temps. Là on va vraiment essayer de monter au même niveau que... Allez. Là on doit être bien, je trouve. Je pense même. Ah mince, on n'a pas pu avoir là. On a eu la troisième, pas grave. Ok, nous sommes tout en haut. Ok, il y a un truc là, on va prendre. Ah, c'est dur d'appuyer sur les mêmes boutons. C'est pas super facile. Bon, on va être obligé de refaire le niveau parce qu'on n'a pas eu. Oh, il passe quoi? Mais non! Wingo, pourquoi tu fais ça? Putain, il va falloir qu'on aille l'affronter. Mais pas maintenant, parce que il faut d'abord qu'on refasse le niveau. Parce que on a malheureusement... Oh non, il faut 200 pièces. Ah, je suis un peu deg. Oh. Oh, mes amis. Bon, je vais refaire le niveau. T'as 200 pièces. On y était presque, mes amis. On y était presque. C'est un peu dommage. On y était presque. Quelques pièces, il nous manquait. On va vraiment essayer de les avoir, ces 200 pièces, avec la gemme qui nous manque. Donc, allez, go. Là, on se dépêche. On speed un petit peu. Hop.
On se dépêche. J'espère on pourra les avoir. Hop. Allez, donc on y va. On essaye de monter le plus vite possible, je vous rappelle. Toujours important de se dépêcher. Bon, il faut 200 pièges, je vous rappelle, mes amis. Il faudra essayer de voir où se trouve la deuxième gemme, parce qu'on a quand même essayé de speeder. Je vous le rappelle. Et c'était quand même tendu. Donc, hop. Oh là. La lave, à mon avis. Oh là. C'est tendu. Tendu de night. Hop. Voilà. Hop. Allez, vite. Allez, on y va. On fonce. On fonce, mes amis. Ah, je crois que j'ai vu. J'ai vu une petite éblouissance de lumière. Hop. Eh, c'est chaud, mes amis. Allez. On va se concentrer. Je sais pas comment il faut faire pour l'avoir. Et là, on va se concentrer à terminer ce niveau déjà avec la mission. Bon, là, on a les 200, mes amis. Là, on y va. On peut partir de ce niveau. Il faut juste pas qu'on perde. C'est tout. Là, on a 204. On va juste finir le niveau et après, on se consacrera avec la mission d'avoir la deuxième gêne. Donc là, nous avons largement réussi la mission des 200 pièces. Bah, c'est plutôt bien. Et après, on s'attaquera au. Ben, on se rattaquera à ce niveau. Évidemment. On le passe pour pas. Voilà, là on a réussi la mission. Et nous allons refaire une dernière fois le niveau. Enfin, j'espère refaire une dernière fois. Donc là, on va vraiment foncer pour avoir la gemme. Donc là, on fonce. On va le plus loin possible. On va le plus vite possible surtout. Voilà. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. C'est zoomer à fond pour voir où on peut aller. Et surtout, là au moins, on gagne. On perd pas de temps. On y va, on monte. Hop, on y va. Là, on y va. Hop, même si je vois pas grand-chose. Mince. Allez, go, go, go. Hop, on y va. Mince, j'ai pas été tout en. Allez, go. Et ton père, c'est de la perte de temps tout ça. Allez, go. On a la gemme. On n'a plus qu'à finir le niveau. Et au moins, on sera tranquille. Allez, hop, c'est bon. Tout est synchronisé comme il le faut. Voilà, et là, Et là, le poison. Et là, la lave est super loin de nous. Voilà. Allez, mes amis, nous avons fini ce niveau. Et ce qui veut dire que nous allons nous en arrêter là pour l'épisode un peu plus court. Bon, légèrement plus court, mais ça va. Il n'est pas non plus très très court. Voilà. Donc du coup, mes amis, ce qu'on va faire, le fiasco de Wingo. Eh oui. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire le petit méga moison de pièces et on s'en arrêtera là. Et je pense qu'on aura fait un bon petit épisode. Et du coup, dans le prochain épisode, ce qui sera en live, donc ce sera demain à 13h. Là, ici, je crois qu'on n'avait pas fait ça. Non, on a failli avoir les 400. On les a presque eu. Ah, dommage. Bon, mes amis, en tout cas, j'espère que ce 15e épisode du Let's Play sur Capitaine Todd Treasure Tracker vous a plu. Dans le prochain épisode en live, nous irons faire le dernier niveau de ce troisième livre. Et après, je sais pas encore ce qu'il y a. J'espère qu'il y aura les niveaux de Super Mario Odyssey. Donc, on verra ça après avoir fini ce livre. Donc, j'espère que l'épisode numéro 15 de Captain Todd Treasure Tracker vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo et de vous abonner. N'oubliez pas de répondre à la question du jour. Et aussi, n'oubliez pas d'aller voir le time note. C'est toujours important d'aller le voir. Donc, là, je l'ai réactualisé normalement. Pour la semaine, et du coup, vous allez voir toutes les vidéos qu'il va y avoir cette semaine. Voilà, et du coup, on se retrouve, mes amis, demain pour le live à 13h sur Captain Todd Treasure Tracker. Et surtout, mes amis, restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Vantin. Bye tout le monde.